Laura. Ma chérie? Oui, je viens de finir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu me diras quand j'arrive. D'accord, c'est bon, tu me verras bientôt. Je dois aussi te parler de toute façon. À propos de Kayode. Oui, Kayode. Ma chérie, je te dirai tout bientôt. J'arrive. On se verra à ta boutique? Ok. Seigneur. Cette nouvelle va vraiment l'affecter. Ah, mais je ne peux pas me taire. Je dois lui dire. Salut. Bonsoir, madame. Bonsoir. Où est ta patronne? Elle est dans le bureau. Merci. Oh, tu es là. Entre. Hey, Norma. Salut. Ah. Il a proposé? Je suis fiancée. Nous allons nous marier. Non, il n'a pas osé. Tu n'es pas contente pour ton ami? Kayode, attends-nous dehors, s'il te plaît. Je dois parler à mon ami, seul à seul. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ok. Ok, ma chérie, ne te marie pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'il te trompe. Allô? Comment tu as su? Oui, je l'ai vu avec différentes femmes dans différents endroits. Laura, même aujourd'hui, je l'ai vu embrasser une femme devant un hôtel. Et tu es au courant pendant combien de temps? Ça fait quelques mois déjà. Et tu viens juste de me dire? Je sais que j'aurais dû t'informer depuis, mais c'est juste que... Tu veux juste quoi? Tu ne m'as pas dit. Alors pourquoi dois-je te croire maintenant? Laura, crois-moi, je t'en prie. Je suis ton amie et je ne veux que ton bonheur. Non. Tu le sais. Non. Si tu es mon ami, tu allais me dire, tu allais me tenir informé dès le premier jour que tu as découvert qu'il me trompe. Non, pas maintenant qu'il m'a demandé en mariage. Écoute, je suis désolée. Désolée de te le dire maintenant, mais je te promets que c'est vrai. Tu n'es pas contente du fait qu'il m'a demandé en mariage. Tu es jalouse. C'est pourquoi tu as avancé tous ces conneries. Laura, tu ne me fais pas confiance? Je ne te crois pas. Je veux dire, pourquoi dois-je? Je pense que tu es jalouse de moi. Tu es jalouse parce que je me suis fiancée avant toi. Wow, je n'arrive pas à y croire. Mon ami. Lève-toi. Écoute, Laura. Tu dois me croire, ok? Je ne veux que ton bonheur. Ce mariage sera une très grande erreur. Non.
Le plus grand erreur ici est moi qui pense que j'ai trouvé une amie, une sœur en toi. Mais je suppose que j'ai fait une erreur. Écoute-moi. Reste loin de moi. Je ne veux plus jamais te voir. Tu sais, je préfère être avec un ennemi que j'ai rencontré et qui me déteste que d'avoir une amie qui est secrètement jalouse de moi. Tu sais quoi? Je te laisse faire ton choix. Oh. Le temps nous dira la vérité. Oui. Norma. Ouais. Ton visage en dit long. Mais tu sais quoi? J'aimerais que tu saches que nous sommes très heureux d'être ensemble. Tu sais quoi? Tout ça là arrive quand tu t'immisces dans la relation des gens. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas étonné. Oui. C'est toujours parce que tu n'as aucun homme dans ta vie. Oh. Tu sais quoi? Elle va découvrir qui tu es, tôt ou tard. Oh, sérieux? C'est juste une question de temps. Homme sans honte. À plus. Chérie. Est-ce que tu me trompes? C'est ça qu'elle t'a dit? Chérie. Elle a dit tu as commencé à me tromper il y a quelques mois déjà. Depuis des mois. J'arrive même pas à y croire. Bon, dis-moi, mais comment se fait-il que ta meilleure amie, elle a su que je te trompais depuis? Et c'est maintenant qu'elle trouve propice à le dire. Je m'inquiétais comme... Oui. Écoute-moi. Mais c'est moi. Je sais. Mais je ne porterai mes yeux sur aucune autre femme. Et je crois que tu devais le savoir, non? Mais à part toi, il n'y en a aucune qui me fasse des défis, d'accord? Hein? Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Mais pourquoi? Ok. Elle n'a jamais pensé que notre union mènera à quelque part. Je vois maintenant qu'elle a réalisé que nous irons jusqu'au mariage. Ça ne l'enchante pas du tout. Je crois qu'elle n'a pas aimé la demande en mariage que je t'ai faite. Elle est supposée être mon amie. Pourquoi elle est jalouse? Tu ne devrais pas surestimer votre amitié. Oui. Ne la laisse pas gâter ton humeur, ok? Alors, où allons-nous donc célébrer l'avènement? Ton restaurant favori ou le mien? Lequel? Pas mal. Et bon, et si on le faisait là où on s'est rencontrés pour la première fois, ça te dit quelque chose? Yeah! Ici au bureau! Exactement! Ça te va? Ça, c'est bien. Alors, il y aura quoi au menu? Du chinois ou bien... Chinoise et une bouteille de vin. Ok, ça sera quoi au juste? Du chinois ou du plat africain? Singapore noodles. Ça sera très croustillant. C'est ce que je veux, bébé. Ok, d'accord pour les nouilles et le vin. Vin blanc. Comme si tu étais dans ma tête, je le savais. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Merci de me faire confiance. Ça te plaît? Mm-hmm.
C'est tellement délicieux. Yeah. Vraiment. Je t'ai bien eu. bébé. Quoi? J'ai une surprise pour toi. Ok, d'accord. Je veux que tu fermes les yeux. Mais je mange. Bébé, attends, tu vas manger après. Qu'est-ce que c'est? Lequel, gauche ou droite? Bébé, allez. Dépêche pas, moi je veux ta manger. Ta nourriture ne va pas fuir, calme-toi. Alors, ouvre les yeux. Dieu merci. Tana, bébé. Oui. Sérieusement? Vu que nous sommes officiellement fiancés, j'ai pensé de te trouver aussi ta propre bague pour que les filles dehors là-bas puissent savoir que tu es pris. Bébé, je crois que c'est pas nécessaire. Bon, enfin, je ne crois pas que je dois porter une bague pour te prouver que je suis à toi. Je sais. Je pense simplement que cela devrait nous donner l'occasion d'être engagé par... Parce que je ne veux pas être la seule à sentir la joie. S'il te plaît. Ok. Ok. Yeah. Oui. Ici. Oh. Tu viens juste de dire oui. Donc, ça ressemble à quoi? Et j'espère que tu sais que je ferai tout en mon possible pour te rendre heureuse. Merci bébé, tu es le meilleur homme que j'aime. Je t'aime bébé. On peut manger maintenant? Oui, bien sûr, nous pouvons. Je ne peux pas croire qu'elle me fasse porter... C'est mes notes. Je ne veux pas lui donner l'impression que j'aime ou pas. Mais je ne peux pas garder ça aussi. Mais bon. Cette nourriture est tellement délicieuse. Ta bague est tellement jolie. Oui, mari et femme. C'est le téléphone de qui sonne. Un instant. C'est qui? T'inquiète, c'est personne. Salut. Bonsoir, madame. Bon après-midi. Sois la bienvenue dans notre... Ok, une de mes amies m'a orientée ici et elle a dit que vous cousez très bien vos habits. Vrai? Je peux voir ça. Oui, c'est absolument vrai. Je m'appelle Kayode. Salut. Je suis à votre service. Salut, je suis Stella. Enchantée, Kaylee. Tout le plaisir pour moi. Mais bon, ici, on allait dans mon bureau pour un petit entretien pour que je puisse vous porter une bonne assistance. D'accord, c'est bon. Je vous en prie. Soyez la bienvenue. Merci. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Je crois que je me dois de commenter votre beauté. C'est-à-dire votre peau, la manière dont vous brillez, tout ça, quoi. C'est, on dirait une star qui est assise devant oh, moi. Oh, merci. Je vais prendre ça comme un compliment. Oui, oui, oui. C'est en réalité ça. Merci. Et je pensais ce que je disais. Merci beaucoup. N'auriez-vous pas quelques modèles sur vous? Oui, j'ai certains designs ici. Ok, montrez-moi. D'accord.
comme celle-ci, comme celle-ci et celle-ci. Ah, ce sont toutes très longues. Oui. Ok. Un peu serrées. Oui. Ok. Oui. Elles sont jolies. Oui, elles sont. Peut-elle faire quelque chose comme si celle-ci? Oui, bien sûr. On peut le faire. Même mieux. Bien, parce que l'amie qui m'a orientée ici, elle m'a dit que la dame de cet endroit fait très bien ces choses. Donc, je m'attends à de bonnes choses. Excusez-moi, madame. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Malcompréhension? Oui. Actuellement, j'en suis le propriétaire. Oh. Oui, la fille dont votre amie vous parlait, c'est-à-dire celle que vous êtes venue voir, travaille actuellement pour moi. Mm. Oui. Peut-être qu'il y a eu une malcompréhension, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est juste parce que je suis souvent très occupé. Oui. C'est elle qui dispose des contacts de toute la clientèle et qu'elle s'occupe de toutes les commandes qui viennent. Oui, je peux imaginer. Oui. Donc, avez-vous les tissus avec vous? Oh oui, elles sont dans la voiture. Oh, ok, d'accord. Ok, est-ce que nous pouvons les avoir pour prendre les mesures en même temps? Oh, je partais déjeuner quand vous étiez arrivé. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous aller? Oui, ça serait très bien. Okay, oui, d'accord. Ça serait tellement bien. Merci. Ok. Okay. Oui. Après vous. Allô? Non, nous avons le dîner à 18h. Nous allons manger aujourd'hui dehors. On peut le faire à la maison. D'accord, faut pas rater le dîner. C'est bon, au fait, où es-tu? Tu résonnes, c'est comme si tu es occupé et un peu fatigué. Oui. Je suis en train de m'entraîner. D'accord, dès que tu finis une fois rentré, je vais bien te masser. D'accord, je t'appelle plus tard, ok? Bébé, attends. Où est ta bague? Oh. Je l'ai gardée en lieu sûr. Où? Je l'ai rangée dans le placard. Écoute. Je voulais te dire en fait quelque chose. C'était trop serré. Du coup, ça me faisait mal aux doigts. Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'aurais dû te trouver la plus grosse. Non. Ça serait encore du gaspillage d'argent. Oui, tu ne penses pas? Bébé, ce n'est pas la perte de l'argent, d'accord? C'est le symbole de notre amour et de notre engagement. Ok, tu sais quoi? Au lieu de prendre cet argent pour m'offrir une nouvelle bague de fiançailles, ça ne serait pas mieux de garder ça pour la bague de mariée, puisque bientôt... Je ferai de toi ma précieuse reine, la femme de ma vie, d'accord? Tu comprends? D'accord, c'est bon. Venir où? Non, bébé, c'est bon, je suis fatiguée, je ne peux pas faire autre. Allez, non, bébé. S'il te plaît. Attends, bébé. Juste restons serrés, d'accord? Serrons-nous seulement, c'est d'accord? C'est quoi, Kalini? Ah, mon gros bébé. Hein? Bébé, ça va aller, tu iras bien, d'accord? Je suis censé gérer ça là comment? T'inquiète pas, demain on va continuer, d'accord? Junior maman a dit bonne nuit. Oui, bonne nuit, bébé, bonne nuit. Um.
comment vas-tu? Je vais bien. Suis-moi au bureau. Pardon, monsieur, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez! Allez, détends-toi. Allez, laisse-moi faire, d'accord? Je ne serai pas long. Allez, s'il te plaît. Ok? D'accord. Arrêtez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, arrêtez. J'ai parlé avec Laura à propos de ton augmentation de salaire. Ce que tu avais demandé le mois passé. Vous l'avez fait? Bien sûr, mais tu n'as plus confiance en moi. Toutefois, elle a dit que elle va prendre du temps pour y penser, tu vois. Mais je peux toutefois la convaincre aussi. Seulement si tu me donnes ce que je veux. Juste parler? Oui, bien sûr, cette semaine. Je ne peux pas te mentir. Et aussi, pour couronner le tout, je peux te faire gagner quelques avantages, hein, tu sais, toi que tu y penses. Tout ce que tu as fait. Béatrice! Oui, madame. Que fais-tu dedans là-bas? J'étais en train de chercher. Mais tu es allée à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer si un client vient? Oh, salut, chérie. Ah, je suis venu un peu plus tôt que possible pour faire quelques travaux. Oui, tu sais, la nouvelle commande qu'on a passée. Donc, je suis venu. Oh, d'accord. Je ne savais pas que tu es déjà ici. Ah, est-ce qu'elle a accepté le matériel? Oui, elle a vraiment apprécié. Ah. Elle a même envoyé d'autres designs. C'est bien. Viens voir. Ah, d'accord. Voici un autre. Ok. Waouh. Ces dessins sont très jolis. Oui, bien sûr, sont magnifiques. Avec des traits particuliers. Regarde bien. J'aime ça aussi. Où elle les a trouvés? Oh bon, elle a parlé d'un certain de ses amis hein, qui est styliste, c'est ça. Son ami est un bon designer. Oui, il est bon, mais pas assez comme toi. Merci bébé. Alors, quand elle aimerait avoir tout ça? Dans une semaine. D'accord. Dans une semaine. D'accord, alors as-tu réussi sa mesure? Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais bon, elle m'appellera le soir. En tout cas, c'est ce qu'elle a promis. Donc, je vais profiter, prendre les mesures et le matériel. Ah, c'est d'accord. Pourquoi lui m'appelle? C'est Fred, il m'appelle depuis le matin. Réponds pour savoir ce qu'il veut. Toi, ne t'inquiète même pas. Je suis très sûr que c'est rien d'important. D'accord? D'accord. Bébé, et pour l'argent? Ce dont on avait parlé la dernière fois à propos de... Ça c'est vrai. Quand tu veux la faire sortir du pays pour l'opération? Une semaine. Dans une semaine. D'accord. J'ai pu avoir 5 millions de naira, mais tu dois me donner encore plus de 2 jours pour que je puisse avoir les 2 millions de naira, d'accord? Merci. Merci beaucoup, bébé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne sais même pas ce que je serais sans toi. Sérieusement, je ne sais même pas quoi dire. Bébé, et si tu m'envoyais les 5 millions de naira que tu disposes actuellement? Comme ça, je pourrais compléter le processus du voyage. Oh, d'accord. Tu sais que je vais faire le transfert plus tard dans la nuit. Pourquoi pas maintenant? Mon réseau est actuellement mauvais. Oh. J'ai essayé de faire le transfert, mais ça ne passait pas. Ce soir, oui, n'est-ce pas? Oui. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Ok, je dois filer, vérifier quelque chose. Oh, d'accord, bébé. Ça, c'est bien. Je vais revenir avec...
le restant du matériel et d'accord, les mesures si possible. Pas de soucis. Salut bébé. Oui, je viens juste d'arriver à la maison. Où es-tu? D'accord. Rassure-toi de ne pas boire et conduire. Ok. Oui, j'ai essayé de le faire, mais le réseau dérange toujours. Alors, je continue à essayer. D'accord, au revoir. Oh mon Dieu, quelle fatigue. Oui, allô? Oh, d'accord, c'est bien. Je vais juste retourner au travail. Je viens juste de rentrer. Ok, tu peux commencer à venir. Bien. Oh. Où est la clé de ma voiture? Oui, ma chérie. Écoute, ne fais rien de stupide, d'accord? D'accord? Je viens te voir maintenant. Reste en ligne, d'accord? Ne raccroche pas, s'il te plaît. J'arrive. Reste avec moi, d'accord? Je suis déjà en route. Il m'a dit qu'il sortait avec ses amis pour aller prendre un peu d'air. Je ne savais pas que j'allais l'attraper. Je l'ai trouvé avec ma vendeuse. Avec toutes ces personnes, il a choisi de sortir avec ma vendeuse, Béatrice. Ah. Oh, je suis désolée, ma chérie. Désolée. Ah. Je savais non. que Kayode était un chien. Mais pas un si gros chien. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû juste écouter quand tu m'as Calme-toi, dit. Calme-toi, ma chérie. Ne te lamente pas pour ce salaud. Il ne le mérite pas. Regarde-toi, tu es une belle femme. Tu mérites d'être heureuse, ok? J'aurais dû t'écouter. Tu m'as prévenu, j'aurais juste écouté. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? J'étais juste amoureuse. Je ne peux pas te blâmer pour cela. Pensez, j'ai aimé et j'ai beaucoup investi. Beaucoup.
Écoute-moi. C'est une perte, d'accord. Mais laisse tomber, ok? Écoute, un homme bon, qui sait comment respecter et chérir une femme, viendra sûrement. Et quand il viendra, tu réaliseras pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans cette relation. Calme-toi, ma chérie. Il ne mérite pas tes pleurs. Arrête de pleurer, ok? Fais tout ce que je veux. Je l'avais pourtant bien dit que j'étais en train de venir. Il ne décroche pas du tout à mes appels. Attends. Sûrement. Merci à lui. Les vieilles manières ne s'oublient jamais. Maintenant pour qu'elle ne décroche pas du tout à mes appels. Qui? Par ici. Ici. Comment tu as fait pour entrer? Tu continues à laisser ta clé en dessous du tapis devant la porte. Que tu vas bien. Mm-hmm. Comment s'est passé le voyage? Mon voyage s'est bien passé. Le seul problème ici est le fait que tu m'aies fait attendre à l'aéroport après m'avoir promis de venir me chercher. Hey. Hmm? Tu disais quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, j'ai oublié et... Mon téléphone, où est mon téléphone? Ça doit être silencieux. Comment était ton voyage? Pas mal du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je te pose. Que veux-tu dire? Tu es en train de te saouler la gueule en plein milieu de la journée. C'est pourquoi je cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas exactement. Je crois que tu as besoin de tout du chien, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi te chercher une serviette propre. Oh!
Vas-y tout doucement. Oh. J'espère qu'il se rappelle encore de son nom. C'est sûr qu'il s'en rappelle. I've been hurt before, broke before, don't you know? So many came and it broke me. Ah! Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Hein? Tu peux quand même m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais bien. Tu vas bien et tu ne fais que te saouler depuis le matin au whisky? Dis-moi exactement ce qui est en train de se passer. Ok. Je... J'ai perdu quelque chose à quoi je tenais beaucoup. J'ai fait des conneries, tu sais. Laisse-moi deviner. Tu as été infidèle. Tout typique. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je t'ai déjà assez conseillé. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Tu as pratiquement trompé toutes les filles avec lesquelles tu es sorti durant ces dernières années. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? D'accord, de toutes les façons, ce n'est certainement pas mon problème. J'ai faim. Je suis affamé. Je dois manger quelque chose. Malheureusement... Je n'ai pas de nourriture ici. D'accord, alors si tu n'as pas à manger, allons-y en chercher dehors. Je ne maîtrise pas très bien les aristos. Ce n'est pas du tout un problème, lève-toi juste. Allez, debout. Je ressemble juste à un gros tas de merde. Va d'abord te rafraîchir et je dois cacher tous ces alcools. Comment peut-on boire à cette heure de la journée? Regarde-toi, tu réagis comme si tu n'as jamais trompé à aucune fille dans ta vie. Mais tu me connais bien. L'infidélité, ce n'est pas ma chose. Alors, et si on parlait un peu de ce qui s'est passé entre Gloria et toi? C'est moi qui ai tout arrêté, pas Gloria. J'ai fini par découvrir qu'elle me trompait avec son patron du service. Donc je lui ai donné sa liberté. Vraiment? Oui. Et moi qui pensais que pendant tout ce temps, c'était toi le problème? Non. C'est pas de ma faute, j'arrive pas à tromper. Et c'est reparti, mais si tu me demandes, je peux t'assurer que tous les hommes trompent. Non, c'est... Mais écoute, la différence c'est juste que les meilleurs ne se font jamais attraper. C'est exactement ce que tout le monde pense, mais ça n'est pas vrai du tout. Tous les hommes ne sont pas des trompeurs. Moi personnellement, je ne trompe pas. Ou peut-être parce que je suis nul en amour. Oui, c'est ça. Mais dis-moi, comment tu as fait pour... Pour savoir. En fait, c'est son patron qui me l'a dit. Un de ses collègues me l'a également dit. Je pense que lui était jaloux. Tu vois ces crises de jalousie que les hommes ont souvent. Alors, j'ai fait une confrontation. Je m'attendais à ce qu'elle nie, mais non. Elle m'a simplement dit de ne pas la déranger pour ses futilités. Parce que son patron lui donne plus d'argent que je ne le fais. Donc, j'ai laissé passer. J'ai donc décidé après cela de ne draguer personne, de rester célibataire jusqu'au jour où je puisse trouver quelqu'un qui puisse m'aimer autant. Les femmes et l'argent... Exactement. Donc, ce que tu dis actuellement, c'est que tu ne sors avec personne. Non. Personne ne te plaît. J'ai décidé de repousser toutes mes émotions jusqu'à ce que je puisse trouver la femme idéale. Quoi? Tu sais pourquoi je ris? Non, dis-moi pourquoi si tu ris. Si, je comprends bien. Tu es en train de me dire que... Ça fait combien de temps d'ailleurs? Et... Un an... Et 4 mois, oui. Un an et 4 mois. C'est quoi le problème? Attends, ça fait 1 an et 4 mois, tu n'as pas fait ça. Mec, oublie ça. Mon frère, je suis sérieux. C'est sympa. Attends, et tu es sûr que tu te sens bien dans ta peau? Mon frère, après tout, ce n'est que le sexe. C'est pas comme si c'était des médicaments ou quelque chose sans laquelle... Ce n'est pas juste du sexe. Oui, c'est pas juste du sexe.
Mais si tu me demandes, moi, je ne peux pas, en tout cas, rester deux jours sans faire. C'est impossible. Doit coûte que tout le faire. C'est pourquoi tu es infidèle. Tu es plutôt un infomane. Oui, tu peux penser tout ce que tu veux. C'est la vérité. Je suis sérieux. Mais tu sais quoi? Mais souviens-toi, si tu trouves la femme parfaite comme tu le dis, n'oublie pas de tester le produit avant d'acheter. Parce que... Tu penses que le sexe est très important et c'est ça le véritable problème? Je ne pense pas que cela soit aussi sérieux que tu le penses. C'est important, mais c'est n'est pas la clé en fait. C'est n'est pas la clé du mariage. Mec, le sexe est la clé pour réussir un mariage. Crois-moi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Écoute-moi bien, le sexe est important. Oui, je suis un peu d'accord avec toi. Mais ce n'est pas du tout la clé pour un mariage réussi. Laisse-moi t'expliquer pour que tu puisses bien comprendre une fois pour toutes. L'amitié est d'abord capitale, primordiale pour un mariage. Ensuite, nous avons également l'attention. Si la personne pense à toi, ça veut dire que la personne t'aime réellement. Oui. Je pense que ceux qui se marient plutôt pour le sexe ne font pas long feu dans leur mariage. Ils ne durent généralement qu'une année ou deux. Et après cela, c'est impossible. Ils ne peuvent plus rien arranger. Le mariage est gâté. Tout ça parce que la fondation de leur mariage n'est pas solide. Elle est juste basée sur le sexe, pas d'amitié. Alors, quand est-ce que non, s'il te plaît. Attends. Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser. J'ai faim. Attends. Dis-moi un peu ce que tu disais à cette fille. Oh mec, laisse-moi. Tu es vraiment impossible à vivre. Oui, c'est ça. Toi, vraiment. Tu ne fais que m'embarrasser, s'il te plaît, ne recommence pas encore. C'est pas de ta faute. Surtout pas quand tu es avec moi. C'est en effet parce que je suis avec toi. Mon frère, essaie de me comprendre. Même si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Hein? Tu vois, alors. Donc, c'est que je dois faire... Toi, vraiment. Waouh. Quelle beauté. Oui, je serai bientôt de retour. Elle est vraiment... Non, je ne suis pas à la maison. Très parfaite. C'est toujours comme ça, fatiguer les gens. L'as-tu au moins vu? Vu quoi? Je parle de celle avec la voiture qui est venue déposer sa copine. Oh, déjà? Quoi? Donc tu vois maintenant ce dont je te parlais. Une belle femme. Maek, laisse-moi te dire la vérité. Tu vas te faire mal pour un rien. Je te dis, mon frère, trouve une femme et libère-toi. C'est moi qui te dis. Tu ferais mieux de vite te sortir de cette galère que tu t'es donnée toi-même. Je n'ai juste fait qu'admirer, c'est tu tout. Tu veux que je conduise? Toi, viens conduire. Non, conduis. Je vais te montrer la voie. J'espère que tu aimes le plat. Oh, merci. Mais dis-moi, pendant combien de temps vas-tu rester ici à Abuja? Une semaine, je crois. T'ai-je déjà dit que je comptais ouvrir une agence ici? Non. Vraiment? Oh, j'ai oublié. Nous planifions d'ouvrir bientôt une agence ici. Et si les choses se passent bien, je crois que je vais juste la diriger moi-même. Oh, vraiment? Ça, je c'est sais. Bien ça. Donc, ça veut dire que tu viendras souvent ici? Fort probable. Ah, ça veut dire que tu vas voir beaucoup de choses en ville. Vrai, n'est-ce pas? Ah, tu vas faire le tour oui. de la ville. Qui sait? Regarde. Hmm? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu avais dit quand on parlait de mariage? Oui. Pourquoi? Rien. Juste que je suis en train de penser à quelque chose. J'ai besoin que tu m'aides à réparer ma relation. À reconquérir son cœur, tu vois. Je ne suis pas un docteur en amour. Oui, je sais. Mais tu connais à la matière. Et tu sais très bien. Et je suis
d'ailleurs très convaincue que s'il existe quelqu'un qui peut la convaincre de revenir, cette personne, ce serait toi. C'est tout? Allez, tu sais que tu es très bien dans ce genre de trucs, non? Tu sais, tu parles très bien, tu sais comment charmer une femme, tu vois, dis encore. Vraiment? Qu'est-ce qui te fait croire que je suis ce genre de personne? Allez, s'il te plaît, fais pas ça. Enfin, tu m'as déjà aidé à réparer une relation par le passé. Tu as raison sur ce point. Même cette relation que je ne croyais même pas que ça pouvait marcher, tu l'as fait. Du coup, je crois que celle-là, elle sera pas très très difficile à craquer. Et toutefois, je l'ai déjà trompé. Waouh! Tu trouves cela convenant? Je suis désolé. Encore désolé. En fait, ça veut dire, tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas ressentir ce que je ressens. Je n'ai jamais aimé aucune femme de la manière dont j'aime celle-ci. J'aime tellement Nora. Oh mon Dieu. Tu dis l'aimer, pourtant tu la trompes. Écoute, si l'occasion se présente pour que je puisse réparer mon erreur, je le ferai. Moi, mais je ne comprends pas. J'aime tellement Nora. Nora? Ouais. C'est donc ça son nom? Et elle est très jolie. Mais qu'est-ce que tu en dis? S'il te plaît, laisse-moi manger maintenant. Depuis, je ne fais que parler. Mais dis-moi quelque chose, non? J'ai vraiment besoin de ton aide. Non. Tu vas juste lui parler. Et j'ai dit non, pas cette fois-ci. Pourquoi pas? Parce que tout ce que tu m'as raconté sur elle me fait comprendre que c'est une bonne femme. Et tu penses que je ne suis pas au courant? En fait, c'est pour ça même que je te fais tout cela. Hein? Et si tu savais tout cela, pourquoi l'as-tu donc trompée? Oui, je reconnais avoir commis une très grande erreur. Je ne savais même pas à quoi je pensais. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à faire ça. Je ne pourrais pas supporter de perdre Nora. Je ne vais pas le supporter. Waouh! Elle représente le monde à tes yeux. Tu as une belle manière de lui le montrer. Tout ça me rend vraiment confus parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi la personne que tu prétends aimer le plus est celle que tu as fini par blesser. Et c'est reparti. À ce point vraiment? S'il te plaît, non. Allez, mec, s'il te plaît. Mec, s'il te plaît. Allez. Fragin, s'il te plaît. Écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je sais que j'ai vraiment merdé. J'ai été fou de laisser partir du diamant pour juste la pierre. Mais je suis confiant que tu pourras m'aider à réparer cette erreur. Une erreur? Une erreur est une faute que tu as commise une fois. Et quand la même chose se répète et encore et encore, ce n'est plus une erreur, mais un choix. Allez mec, arrête de parler ainsi, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je le sais très bien. Et? Écoute, je suis prêt à changer. Oui. Au moins, écoute-moi quand je parle, non? Regarde. Je suis prêt à faire mieux. Et Nora m'aidait à donner le meilleur de moi-même. Mais bon, malheureusement, avant qu'on ne rompe, écoute, je veux vraiment être meilleur. Et Nora est la seule personne là qui peut vraiment faire ressortir cette meilleure de moi. Tu dois essayer de me comprendre, s'il te plaît. Tu savais cela. Mais malgré tout, tu as fini par la tromper. Je n'arrive pas du tout à te comprendre. S'il te plaît, non. Hein? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? C'est maintenant que tu parles. Tu vois, je... Qu'est-ce que je dois dire? Ok, je vais te transférer son adresse, l'adresse de son bureau, d'accord? Oui, tu iras la voir comme étant mon cousin, que tu reviens juste d'un voyage d'affaires de Lagos. Oui, un voyage d'affaires. Ou bien, oui, c'est ça, un voyage d'affaires. Et fais-lui comprendre que quand tu es arrivé, tu m'as trouvé en train de vouloir attenter à ma vie. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu peux un peu répéter? Laisse-moi finir, non? Ok. Calme-toi. Alors, maintenant, quand tu m'as trouvé dans cet état,
tu m'as demandé pourquoi je voulais me suicider. Et que je t'ai dit que j'ai perdu la plus précieuse chose qui me soit arrivée. Que c'est une femme que j'ai trompée. Et que je le regrette vraiment beaucoup. Et que je me sentirais mieux si je m'ôtais la vie. Tu peux utiliser ma voix. Tu vois la manière dont je dis. C'est là de la même manière que tu... Que je n'arrive plus à rien faire. Que je me sens vraiment coupable. Et que c'est vraiment critique la situation. Que donc, c'est ça, tu as décidé de venir. Ah, pourquoi tu es si silencieux? Dis quelque chose, non? Donc, tu es en train de me dire... Oh non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ce que tu penses. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Mais c'est pas une histoire d'aller lui mentir, non. Donc tu veux dire que tu ne comprends toujours pas ce qui m'arrive. Tu ne comprends toujours pas ce que je traverse, hein? Écoute, Nora représente tout mon univers. Crois-moi. Tu peux ajouter aussi que si j'arrivais à avoir une seconde chance, je jure que je ne vais plus jamais la tromper. Et je lui promets, et ce jusqu'à la fin de ma vie. Tu es en train de me dire que si tu avais encore une chance avec elle, tu ne risquerais pas de la tromper encore, hein? Je le jure. S'il te plaît, non. C'est ok, je vais donc essayer de discuter avec elle. Hein? Je disais que je lui parlerai, ça peut aller? Donc arrête de tromper les gens. Ah oui! Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu sais quoi? Je vais te transférer l'adresse, comme ça tu pourras partir. Quoi, maintenant? Oui, non, tu peux lui faire tout de suite, non. Seigneur, j'espère juste ne pas regretter tout cela. J'espère juste. Oh, dis pas ça. Ne t'inquiète plus, envoie-moi juste l'adresse. Où est-ce que j'ai laissé le téléphone? Où est-ce que je l'ai laissé? Attends, j'arrive. Oui, madame, vous savez que c'est votre 20e anniversaire, donc vous devrez être fabuleuse pour votre mari. Mm-hmm. Et chaud, c'est de ça que je vous parlais. Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer, un instant. Waouh, c'est la belle femme que j'ai vue la dernière fois, au fast-food. Salut. Salut. Comment puis-je vous aider? Oui, je m'appelle Tyle et je cherche à rencontrer Mademoiselle Noah. D'accord, et qui la demande? En fait, je m'appelle Tyle et j'ai été envoyé. Excuse-moi un instant, je dois prendre cet appel. Il est vraiment important. Ah, ok, c'est bien. Alors, madame, voici quelque chose. C'est de ça que je parle. C'est quelque chose comme ça que vous voulez? Oui. Oui, ce modèle est tellement joli. Oui, ceci est tellement décent et tellement bien. Salut. Oui, je suis désolé pour tout à l'heure. Je viens juste d'être appelé pour une urgence. À quelle heure fermes-tu? 18h. Ça marche, je serai là avant la fermeture. Ok, merci, d'accord. Merci à toi. Au revoir. Oui, madame, comme je le disais, quelle couleur vous voulez? Oui, je peux voir, la couleur blanche va aller très bien avec vous, la couleur blanche alors. C'est bien. Bonjour. Bonjour, Monsieur Tayo. Oui. C'est bon de vous rencontrer enfin. Je suis celle avec qui vous parlez depuis que vous êtes à Lagos. Oh, d'accord. Oui, c'est moi. Je suis ravi de vous rencontrer en personne. Le plaisir est partagé. D'accord. Et c'est ça la propriété? Oh, oui, c'est la propriété en question. On visite maintenant si vous voulez. Pourquoi pas, après vous. Merci. «
C'est vraiment un endroit calme, comme vous pouvez le voir. Ok. Et il y a un développement sûr qui s'annonce autour. Vous pouvez voir déjà les bâtiments qui sont en construction dans le quartier. Oui, oui, c'est bien ça. C'est vraiment un bel environnement. En développement, il a ce qu'il vous faut. Ça a l'air d'un quartier qui se développe vraiment rapidement. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Mais dites-moi si on se rapproche déjà de ce que vous recherchez. Le cadre est... Ok. En fait, l'environnement m'importe beaucoup, aussi le quartier. Et l'immeuble est apparemment en bon état. Et j'apprécie bien, mais j'aimerais... avoir plus d'options, qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, bien sûr. Je dois juste appeler mon agence, on verra bien si s'il y a quelque chose de disponible. D'accord. Je suis d'accord pour une visite demain. Demain, c'est ça? Oui, demain. J'attendrai votre appel donc. Il est célibataire. Salut. Salut. Quoi de neuf? C'était comment? Et notre affaire, j'espère que tu l'as fait. Non, pas du tout. J'étais quand même allé dans sa boutique. J'étais en train de discuter avec quelqu'un. Mon agent immobilier m'a appelé pour une visite sur l'un de ses projets. Je l'avais dit que je reviendrais la voir avant qu'elle ne ferme. Mais quand je suis arrivé, elle avait déjà fermé. Je réessayerai demain encore. Ok. Je vais me rafraîchir. Ok, je vais aller prendre de l'air frais. D'accord. Elle m'a l'air d'une femme bonne. Et je dois arranger les choses, sachant bien le genre de personne mon amie est. Je n'arrive vraiment pas à le croire. Attends, tu es en train de me dire qu'un homme complètement mystérieux est rentré dans ta boutique? Et a demandé à te voir, qu'il connaît même ton nom. Et tu ne le connais pas? Je te dis, je ne le connais pas. D'accord, dans ce cas, comment est-ce qu'il connaît ton nom? Je ne sais pas, et c'est pourquoi je suis curieuse. Je veux dire, il était sur le point de se présenter et soudainement son téléphone a sonné dont il devait sortir. D'accord. Et après quelques minutes, il est revenu et il a dit que il va...
Non, et il m'a demandé à quelle heure je finis et comme ça il allait revenir. Mais il n'est pas revenu. Et il n'est plus revenu? Juste comme ça? Bizarre. D'accord, qui sait? Peut-être qu'il reviendra aujourd'hui. Oh, j'espère aussi. Salut. Vous ici? Salut, demoiselle. Tu le connais? Salut. C'est de lui que je parlais. Oh, s'il vous plaît, prenez place. Oh, merci beaucoup. Vous n'êtes pas revenu hier. Oh, je suis revenu, mais l'endroit était déjà fermé. Oh. C'est comme si vous vous connaissez bien toutes les deux. Où? Oh oui, enfin, Laura ici est ma très bonne amie. C'est ma meilleure amie d'ailleurs, elle est comme une sœur pour moi. Voilà. Ok. Oui. Oui, vous êtes venu hier et vous avez demandé à voir Laura. Je suis Laura. Oh. Comment je peux vous aider? Moi, c'est Tyle. Enchanté de faire ta connaissance. Enchanté, monsieur Tayo. Comment puis-je vous aider? Oui, j'étais venu ici hier parce que j'avais l'intention de faire un habit pour ma maman, c'est ça? Votre maman? Oui, c'est exactement ça. C'est bientôt son 65e anniversaire. 3, 4. J'aurais donc besoin de 5 tenues pour elle. 5 robes? Bon, peux-tu en faire 8? 8? C'est beaucoup trop? Non, pas du tout. C'est juste que votre maman... Ma chérie, elle célèbre ses 65 ans, d'accord? C'est normal. C'est parfait, 8 vêtements. Je pense qu'elle est capable de faire cela. Oui, bien sûr. Oui, oui trop. Oui, comment? D'accord. Ok, donc... dites-moi, combien cela me coûtera-t-il? Je ferai le design moi-même, ok? Le design vous-même? Mm-hmm. Ne t'inquiète pas. Ça sera en fait sous ta direction, c'est ça? Es-tu un professionnel de dessin? Disons non et oui à la fois. Disons que je me connais un tout petit peu en design. Oui. Incroyable. Merci. Alors, avez-vous déjà dessiné comme quelque chose comme une robe avant? Ah oui, je l'ai déjà fait par le passé. Et cela va faire vraiment longtemps. J'espère juste que je n'ai pas oublié, que je pourrais un peu me rappeler les choses. J'ai encore quelques petites connaissances que je n'ai pas oubliées. Et avec votre assistance, je sais qu'on pourra créer quelque chose d'unique et vraiment élégant. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, mais cela va vous faire passer beaucoup du temps ici. J'espère que vous avez du temps pour passer ici. Eh bien, c'est de ma mère dont nous parlons après tout. Je pense pouvoir créer un peu de temps pour elle. Ça marche? De quoi avons-nous besoin en premier? Le design. Alors, nous pouvons être capables de choisir les matériels. C'est très évident. Le design est la première chose dont nous avons besoin. Ok. Je pense avoir quelques petits designs à la maison. Je vais donc les chercher et les rapporter avec moi ici. Bien sûr, je vais vous attendre. Oh, comment fait-on pour la visite? Oh oui, l'inspection. J'allais oublier, merci de me rappeler. Pourquoi ne pars-tu pas en avance pour l'inspection comme cela? Tu pourrais m'envoyer les photos pour que je fasse une sélection. Ah, d'accord, pas de d'accord. problème. D'accord. On se revoit donc bientôt, Laura. Ok, pas de soucis. Oui. Waouh, je n'ai jamais vu ce genre de personne. Calme-toi, s'il te plaît. Tu sais ce dont tu as besoin en ce moment? De l'eau glacée. Tu ressembles vraiment à une affamée. Attends. As-tu suivi la manière dont il parle? Et très intelligent et calme. Je veux dire, sa voix est tellement élégante. Hey, madame. Calme-toi. Au cas où tu l'aurais oublié, tu viens juste de sortir d'un problème de cœur. C'est le même genre. S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Vas-y, doucement. Doucement, s'il te plaît. Hein? Calme-toi. Tyro, je pense que j'aime ce nom. Tu connais la signification? Oh, je suis une fille Yoruba, je sais. Je sais. Attends. As-tu vu une bague à son doigt? Non. Ah. Cela veut dire qu'il est seul. Ma chérie, contrôle-toi. Hey. Ah.
Contrôle-toi, s'il te plaît. Et puis reste tranquille, d'accord? Je ne voudrais pas qu'il te voie comme une fille excitée. Tu parais affamée comme ça. Doucement, s'il te plaît. Au moins jusqu'à ce que je le connaisse mieux. Jusqu'à ce que tu le connaisses mieux. Mieux. Tayo, Tayo, prends-moi Tayo. Tayo, non, non, non. Arrête. I've been hurt before, broke before, don't you know, so many came and it broke me up. I give them all my heart, all my love, all I have, so many my body was not enough. But I've been looking for you. Moi qui pensais passer plus de temps avec lui et apprendre à le connaître. Et maintenant ça. Laura, ne me fais pas ça. Laura, ne me fais pas ça. La question qui se pose maintenant est, où est-ce que je pourrais bien trouver 8-10 ans indifférents? Merde, j'aurais dû lui dire 2 ou 3. Ah. Ok. Eureka, j'avais oublié que je pouvais trouver tout en ligne ces derniers jours. Ok. Ok. Nigeria, Nigeria. Abi. Cette robe-ci est jolie. C'est bon, je vais donc télécharger celle-ci. Je pense que celle-ci lui ira bien. Elle a 50 ans. Elle sera définitivement belle dans cette robe. Une de plus. Voyons voir les suivants. Celle-ci n'est pas belle. Deux de plus et c'est bon. Voilà. Et finalement, je pense que j'aime celle-là. Et voilà. 8-10 ans différents. Prêt. Ah. Ceci, encore. As-tu fait ça toi-même? Bien, pour te dire la vérité, je n'arrive pas à trouver celle que j'avais faite, donc j'ai juste cherché en ligne. Elle ressemble un peu au design que j'avais fait, c'est juste pour te donner une petite aperçu de ce que je veux. Donc tu as fini tout ça? Eh bien, en fait, j'essaie. Tu as été modeste à ton talent. Eh bien, j'aime penser que je suis humble. C'est bien. Vu que ces images sont presque comme ce que tu avait, veux-tu qu'on utilise ça ou bien on fait pour toi? Eh bien, j'ai pas de problème particulier. Nous pouvons donc essayer. Si nous ne les aimons pas, nous pouvons encore utiliser ces designs ici. Alors, ça, cela va beaucoup te coûter si je dois donner mes idées. Cela n'est pas du tout un problème. Je suis prêt à tout pour satisfaire ma première dame. Oh, je pense que tu l'aimes tellement. Pour être franc, c'est ma meilleure amie. Et toi? Es-tu proche de ta mère? Ah, oui. Avant qu'elle ne décède. Oh, je suis vraiment désolé, je ne le savais pas du tout. C'est bon. Et ton père, est-il toujours en vie? Tellement.
Il s'est remarié et... Mais nous ne sommes pas tellement proches comme avant. Laisse-moi deviner, à cause de sa nouvelle femme. Oui. As-tu des frères et sœurs? Je suis le seul enfant de ma maman. Demi-frères et sœurs? J'ai deux demi-sœurs, mais qui ne m'aiment pas. Elles pensent que mon père m'aime tellement plus que eux. Vous parlez encore ensemble? Je préfère parler aux fantômes que parler à eux. Tu es vraiment drôle. Tu sais quoi, laisse-moi chercher un crayon et une feuille pour qu'on commence. Ok, pas de soucis. Je reviens. Ouais, c'est un peu ça. Regarde ça un peu. Salut, salut. Je le suis. Affamé. J'ai faim. D'accord, j'ai pensé à vous. Et je vous ai apporté ça. Merci. Et merci. Merci. Merci beaucoup. Miam, miam. Vous avez travaillé dur, hein? Juste comme moi. Donc, dites-moi un peu. Ça avance? Où en êtes-vous? Il y a du progrès, tout doucement. Ah, c'est bien. Mon Dieu. C'est bien. C'est vraiment bon. Donc, combien de designs avez-vous déjà? Rien. Même pas un seau? Vous plaisantez ou quoi? Mais t'inquiète pas, nous y sommes presse. D'accord. Donc, j'ai vu là, plutôt les photos de ton inspection. Oh, oui. Et qu'en penses-tu? Eh bien, je pense qu'elles sont toutes belles. Mais je préfère la première. À cause de la situation géographique et de l'environnement aux alentours, ça a l'air serein. Tu sais quoi? Je suis un génie. Je savais que tu allais choisir celle-là. J'étais tellement sûre de ce choix que j'ai demandé à mes collègues de la garder pour toi. Tu vois? Tu voulais la vendre? Oui, ils voulaient la vendre. J'étais obligée de leur dire que, tu vois, j'avais déjà pris l'argent de ta commission et que je ne pouvais pas te rembourser pour qu'ils acceptent de te garder la maison. Oui, on a fait ça. Oh, et comment je peux te remercier? Question intéressante. Un dîner. Un dîner, ça me va. Oui, un dîner. Dis-moi simplement où venir te chercher et à quelle heure? Oh, attends, je t'envoie mon adresse. D'accord. Maintenant, 19h. 19h, c'est bon? 19h, c'est parfait. Disons la semaine prochaine. Ce poulet a été bien assaisonné. Oui, ça sera Bébé. Vraiment intéressant. Je connais cet endroit, tu sais. Béatrice, puis-je te montrer quelque chose? D'accord. On y va. Excuse-nous, s'il te plaît. D'accord, pas de souci. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Le dîner serait bien. Oui, je me suis dit pourquoi pas. Non, tu peux pas aller au dîner avec lui. Parce que? Parce que? Je sais que je ne le connais pas encore très bien, mais je l'aime et j'aimerais vraiment le connaître. Ah bon? D'accord, je suis désolée, c'est triste, mais je suis aussi intéressée. Alors, une entre nous doit se reculer. Oh, merci. Merci de me laisser la voir. Je t'ai pas dit que tu peux avoir. Inoma, tu dois arrêter. Je dois y aller. As-tu mon adresse maintenant? Oh oui, je l'ai reçue. D'accord. Au revoir. D'accord.
Tout va bien? Je sens que ton énergie a diminué. Là, c'est comme si tu es passé de 100 à 0. Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien. Tu sais quoi, juste mangeons et commençons avec le travail. Excuse-moi, l'anniversaire de ta maman, c'est quand? Dans 2 semaines. Oh, alors cela veut dire qu'on doit commencer à travailler pour vite finir avant. Je t'avais dit que nous allions finir par trouver quelque chose d'unique en son genre et élégant sans oublier. Oui, et je suis surpris que les dessins sont... Tu sais, elles sont plus mieux que celui que tu as trouvé en ligne. Je suis entièrement d'accord. Nous allons réussir. Une bonne chose. Encore une fois, David. Alors dis-moi, quand tu vas changer ta profession? Quand je vais quitter mon travail pour devenir... un designer. Tu seras la première personne à être au courant. Désolé, je t'ai même pas demandé ce que tu fais dans la vie. Oh, eh bien, je suis à... Eh bien, je peux dire que ma famille et moi sommes plus dans le business d'essence et de gaz, sans compter que nous faisons le transport et l'hôtellerie. En gros, nous sommes une famille d'entrepreneurs. Le boss. Oh, ça c'est bien. Cela veut dire que tu ne vas pas rester ici à Abuja. Non. Je réside à Lagos. Cependant, nous pensons ouvrir une branche ici à Abuja. Cela veut dire que tu dois aménager ici. Quelque chose comme ça. Oh, ça c'est bien. Oh, je suis vraiment désolé. Je dois maintenant m'en aller. C'est bientôt l'heure pour le dîner. Je m'en vais. Désolé, on se voit plus tard. Oh. Je dois même courir. Dîner. Nous serons sauvés quand ça va se casser. Que veux-tu dire? Rien, j'ai juste parlé. Ce n'est rien. Ok. Oui, tu me raccompagnes, s'il te plaît? Oui, bien sûr, de même ici. D'accord. We talk for hours on end, sharing all of our hopes and dreams. I know that I have found a one. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma voiture refuse de démarrer. Oh, ne penses-tu pas avoir besoin d'un mécanicien? Pourrais-je jeter un coup d'œil? À cette heure-ci, ce n'est pas déjà trop tard. Oh, ok. Ou je peux simplement te conduire encore. Oh, ne serais-tu pas en retard pour ton dîner? Ne t'inquiète pas, je vais arranger les choses. Cette voiture m'a l'air familière. Yeah. Mmh. J'ai connu une personne qui a utilisé la même qualité de ta voiture. Un bon? Un ami? Une parenté? Ou bien ton ex? Ne perdons pas de temps. Ah, un horrible ex. Horrible? Horrible? Oui. Il voulait jouer avec Lyon. Horrible. Désolé, en fait, je voulais te poser la question, mais je trouvais que c'était aller trop loin. On se connaît juste à peine, voilà pourquoi. Par rapport à mon ex? Non, si tu es marié. Non, je ne suis pas marié. Et toi? Non plus, je ne suis pas marié. Loin de là. En relation? Cela va bientôt faire 1 année et 4 mois que je ne fais la cour à aucune femme. Es-tu sérieux? Oui. Wow. En fait, je supprime mon ex. Me tromper avec son patron.
Cela était vraiment triste, donc depuis ce jour, je n'ai confiance en aucune femme en matière de relation. Merde! Waouh! Sûr. Pas de flirt ni rien, crois-moi. D'accord. Donc tu satisfais tous tes besoins? Non, pas du tout. Je ne peux même pas obtenir une érection sans avoir un attachement émotionnel. Attends, tu blagues, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Es-tu de cette planète? Mais attends, tu ne peux pas venir de ce monde-là. Que tous les hommes s'arrosent quand ils voient une fille porter quelque chose d'un peu serré. Je t'ai bien dit que tu étais drôle. Tu es vraiment drôle, je te l'ai dit. J'étais juste honnête. Quand as-tu terminé les choses avec lui? Il y a de cela quelques semaines. Ouch. Le monde est vraiment bizarre. Tu peux dire ça encore? Je suis vraiment désolé pour cela. C'est bon. Je peux savoir avec qui il t'a trompé? Ma vendeuse. Quoi? Dans ma boutique. Juste là-bas, dans ta boutique? Cela est vraiment pathétique. Tu peux dire ça encore. Je ne sais même pas ce que j'ai vu en lui. Je ne sais exactement même pas ce que je faisais même avec lui tous ces moments. Cela est vraiment, vraiment pathétique. Personne ne mérite de vivre ce que tu as vécu. Je suis vraiment désolé. C'est bon. C'est mon ex pour toi. Je ne sais même pas ce que j'ai avec lui tout ce temps. Honnêtement, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir amené à la maison. Ça m'a vraiment fait plaisir. Oui, alors à quelle heure tu vas venir me trouver dans la boutique demain? Parce qu'on doit commencer à travailler pour vite finir. À quelle heure veux-tu que je passe te chercher? 8 heures. Ça me va comme ça. Où est-ce que je passe te chercher? Ici ou ta boutique? Ici. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors, passe une bonne soirée. Je le ferai. Au revoir. Bye. Passe une excellente toi soirée. Toi aussi. Oh. Non, je n'ai pas été capable de discuter avec elle. L'inspection des propriétés a vraiment pris toute ma journée. Je n'ai pas pu finir à temps pour aller dans sa boutique. Je réessayerai demain quand j'aurai fini de faire l'inspection d'autres bâtiments à temps. J'apprécie vraiment. J'apprécie parce que, honnêtement, je n'ai plus assez de temps. Nous sommes en train de perdre le temps. Oui, je parle de la patience. Je commence à perdre un peu patience. Plus les jours passent, plus les chances sont minimes de la reconquérir. Oh, jusque ça, ok. Je vais donc essayer. J'essaierai de parler avec elle. Merci. Laisse-moi aller me rafraîchir. J'ai un dîner d'affaires plus tard, à 19h ce soir. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter au juste? Je ne sais même pas s'il a envie de m'aider ou pas. Jusqu'à là, elle n'a pas encore posté quelque chose de son dîner. Ou bien ça ne se passe pas bien. J'espère.
Dîner avec le meilleur des meilleurs. Tayo, tu es un trésor et je suis attiré par ton intellect. Mais ami Alette, comment? Pas seulement attiré par son intellect. Regarde celle-ci qui n'a même pas fini. Qui n'a même pas fini de lire ses cahiers. Elle est là à être attirée par l'intellect de quelqu'un. Pourquoi elle s'efforce avec lui? Tantin, tu ne peux pas voir dans son visage. Il n'est pas intéressé. Ah. Merci pour le dîner. Je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis amusée autant. Je suis content que tu aies apprécié ma compagnie. Crois-moi, c'était parfait. Ce qui m'amène à me demander pourquoi es-tu célibataire? Je te l'ai déjà dit. Ouais, tu me l'as dit. Ton ex-fiancé qui t'a trompé avec son boss. Je vois. Ce qui fait d'elle la femme la plus stupide qui existe. Qui peut tromper un homme comme toi? Oui, qui fait ça vraiment? Sérieusement. Je pense que tu es... Enfin, regarde la façon dont tu analyses les choses. C'est... Franchement, c'est... Les gens comme toi sont rares. Je peux te l'assurer. Je suis sérieuse. Tu ne comprendras pas sûrement, mais je sais ce que je dis et je sais ce que je vois, hein? Ok, c'est bon, ok. Je suis désolé, je dois maintenant y aller. Ta copine et moi avons un serré shopping à faire demain pour les tenues. Oh, je vois. Parlons de Laura. Oui? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Qu'est-ce que je pense la concernant? Je n'arrive pas à comprendre ta question du tout. Tu sais quoi? Laisse tomber. On en reparlera une prochaine fois. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à toi également. Comment était ton dîner? Jésus-Christ! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais pour que tu rentres de ton fameux dîner. Ça fait vraiment peur en tout cas. Et, enfin, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Je t'ai vu l'embrasser dans la voiture. C'est pas tellement rapide. Laura, c'est quoi le problème exact? Je veux que tu abandonnes, s'il te plaît. Ok. Dis-moi donc pourquoi est-ce que je devrais le faire? Parce que je l'aime. Laura, tu n'es pas le nombril du monde, ma chérie. D'accord, donc il est question de toi, toi et toi seul. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de mes sentiments? Ça t'importe peu, n'est-ce pas? Bonne nuit, Laura. Je ne vais pas abandonner. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Donc, tu penses que tu as une chance avec lui? Hein? Assieds-toi et regarde. On verra qui il choisira ou pas. Allez, bébé. Pourquoi tu essaies de détruire notre amitié à cause d'un homme? Oh, s'il te plaît.
arrête la manipulation, d'accord? Nous resterons fair play. D'accord? Tu joues ton jeu, je fais le mien et on verra bien qui choisira, c'est tout. Écoute, s'il te choisit, je ne dirai rien. Je respecterai son choix. Mais s'il tombe amoureux de moi, ma chérie, alors là, tu devras faire pareil. D'accord? Conclu. Qui? Bonjour. Yo mec, s'il te plaît, fais tout ton possible aujourd'hui. Essaie de la rencontrer. Ok, d'accord. Je vais encore essayer. Passe une bonne journée. On se voit quand je reviens. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Oh. Allô? Ouais, je vais bien. Yeah. Je sais. But I've been looking for you, waiting for you, praying for you, hoping that someone can mend my heart. But somehow you came along, shoot your shot and you won my heart. Finally I met my ride or die. I met my ride or die. But somehow you came along, shoot your shot and you won my heart. Finally I met my ride or die. My ride or die. My darling, nobody else but my darling. Hello? My darling. Salut. Wow, bonjour. Bonjour. Tu... Ah, ta tenue. T'es préparé à aller à une réunion ou quelque chose du genre? Oh, j'aime pas exagérer, n'est-ce pas? Non, pas du tout, c'est parfait. J'aime la couleur rouge, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et le fait que tu aies ajouté du vert te rend encore plus belle. Cette fusion est vraiment extra. C'est plutôt toi la designer en fait. Merci, tu as l'air très bien aussi, tu sais. Merci, nous pouvons aller. D'accord, merci. Sharing all of our hopes and dreams. I know that I have found a one. It took for hours on end. Donc. Alors quoi? J'étais en train de réfléchir. De même ici, j'ai arrêté ça quand je t'ai rencontré. Arrêté à cause de moi? Peut-être. Wow. Puis-je te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes chez les femmes? Ok. J'aime l'honnêteté. La crainte de Dieu, c'est important. Surtout quelqu'un avec qui je peux discuter sans avoir de prise de tête. En gros, c'est tout. C'est bien, mais tu n'as pas mentionné. Belle. Beauté. L'aspect beauté, à mon avis, n'est pas primordial. En fait, tu sais ce qu'on appelle l'état d'esprit? Ça ne se détériorerait pas comme la beauté. Maintenant, je suis attirée par toi. Vraiment? Je blaguais seulement. Et toi, qu'attends-tu d'un homme? L'honnêteté. Mm-hmm. Orienté vers la famille. Mm-hmm. Incroyant en Dieu. J'aime aussi les hommes drôles. J'aime pas les gens, les hommes qui sont souvent sérieux. Toujours sérieux. Ok. Et
J'aime aussi les hommes gentils et ceux qui écoutent. Je suis bien écouté l'histoire des gens. Attends, tu es seul? Je suis seul, cherchant et prêt à cheminer. Toi et moi avons beaucoup de choses en commun. Oui, je sais, non? Michael. Bienvenue, madame. D'où viens-tu? Je suis passé prendre quelque chose à la boutique en bas. Ok, s'il te plaît, viens prendre ça. D'accord. Apporte ça dans l'atelier, d'accord? Ah. Oui, j'ai... Hey! Norma, tu m'as pas dit que tu viens ce matin. Comment t'informer si tu ne décroches pas tes appels? Tu as appelé? Ma chérie, regarde ton téléphone. Ah. Oh mon Dieu, j'ai à peine manqué. Je suis tellement désolée, mon téléphone est sur silencieux. Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu es vraiment resplendissante. Oh, vraiment? Oui, tu l'es. Je parlais justement avec mon responsable des ventes et il pense qu'on pourra signer le contrat de vente aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. À quelle heure? Il a dit midi, ouais. Ah, ok. Dois-tu te rendre encore quelque part? Oh, ne t'inquiète pas, je suis là jusqu'à midi. Ok. Nora, essayons d'avancer alors dans le travail avant l'heure de la réunion. Bien sûr. D'accord. Laisse-moi juste enlever mes chaussures. D'accord. Tout va bien? Oui, je le suis. Tu es plutôt silencieuse depuis que nous sommes arrivés ici. Je vais bien. Je veux juste qu'on finisse avec ça et que tu pourras aller trouver Norma pour ton déjeuner. Puis-je te poser une question, Nora? Bien sûr. Est-ce que tu m'aimes? S'il te plaît, réponds à ma question. Et sois honnête envers moi. Bien, je t'ai trouvé intéressant. Cela signifie que tu m'aimes un peu. Oui. Je t'aime. Mais on se connaît juste un peu. Je t'aime également. Je sais également que nous ne nous connaissons pas assez. Mais du peu que je sais de toi, je pense que tu es mon genre de femme. Et oui, je sais qu'il est encore trop tôt pour dire ce genre de choses. Pourquoi pas, ensemble, tous les deux, étudier le sujet petit à petit. Pour que nous sachions où nous allons dans cette relation qui est la nôtre. Amitié. Oui. L'amitié est la base pour toute relation et surtout pour le mariage.
Oui, je sais, mais... Tu sais, Noma t'aime aussi. Et je ressens de la jalousie. Jalouse? Tu sais, tu es un bon homme. Et un bon homme est difficile à trouver. Alors, je suis un peu jalouse et j'ai un peu peur que... Norma m'arrache ceci. Je suis ce genre d'homme qui sait exactement ce qu'il veut. Personne ne viendra me séparer de toi. Promis? Je te donne ma parole. Les amis s'embrassent de cette façon, n'est-ce pas? Absolument. Ok, j'ai quand même aimé. On finira la prochaine fois. Oui. Wow, je suis tellement excitée. La réunion s'est tellement bien passée. Je n'espérais pas mieux. Je pense que le monsieur est un homme bien. Tu l'as remarqué? Il est vraiment gentil. Parlant de gentillesse, il y a quelque chose que j'aimerais bien te demander. Vas-y. Je sais que toi et ton ami Nora venez juste de me rencontrer, que vous ne connaissez pas beaucoup me concernant. Et moi non plus. Mais je pense être amoureuse d'elle. Tu aimes bien Laura? Oui. Du petit temps que j'ai passé avec elle, je pense que c'est le genre de femme dont j'aimerais un peu en savoir plus. Et par mieux la connaître, tu veux dire... Être en couple. Mariage. Ah, l'épouser même? Oui. Donc, voici la question. Imaginons un instant que je sois ton frère. Et Nora, ta meilleure amie, comme vous l'êtes déjà. M'encourageras-tu à poursuivre mes sentiments? Ce que j'ai envers elle? Oui, sûrement. Je te dirais de la choisir. C'est vraiment une bonne femme. Elle mérite vraiment d'être heureuse. Waouh! Tu es plutôt plus sensible que je ne le pensais. Pourquoi? C'est juste une observation. Hey! Salut! Comment était la réunion? C'était vraiment formidable. C'est une réunion qui m'a vraiment apporté beaucoup. Je dois maintenant m'en aller pour pouvoir informer mes collaborateurs sur l'arrangement du paiement. Je vais repasser certainement de mes pouvoirs pour m'être avancé dans le travail. Ah, ok, ça c'est bien. D'accord. Ma puce. Merci une fois de plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi? Tu as gagné. D'accord? Il t'a choisi, toi. Il m'a dit aujourd'hui que tu lui plaisais et il voulait ma permission pour officiellement te faire sortir. Il l'a fait? Il l'a fait, ma chérie. C'est vraiment un homme bien, ok? Fais attention à toi et ne gâche pas tout, d'accord? Ne gâche pas tout. Oui. Et où vas-tu? Je retourne au travail. Je dois aller leur dire qu'on a finalement eu le contrat... Pourquoi tous ces merci depuis? Ça va, enfin, il t'a choisi, toi. Et tu abandonnes malgré que tu l'aimes? Laura, tu me connais depuis. Tu sais que je suis une femme de parole. Et puis, quel genre d'amie serais-je si je ne veux pas ton bonheur? Tu sais quoi?
Je promets de te trouver un bon homme. Oh, et comment tu vas faire ça? S'il te plaît, ma chérie, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas accomplir. Sinon, je reviendrai pour ton homme. Oh non, tu ne vas pas oser. J'ai gagné. Oui. All I have, so many, my body was not enough. Yo mec, tu es de retour. Oui, comment s'est passée ta journée? Très ennuyant. Tu as pu parler avec elle? Non. J'étais occupé. Même très occupé. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais réussir de discuter avec elle demain. Ces derniers jours, j'ai beaucoup de réunions imprévues. Cela fait que je suis vraiment occupé et aussi fatigué. Ne t'inquiète pas du tout, je discuterai avec elle demain. Je vais dormir. Comment j'ai été capable de faire 8 habits en seulement une semaine? Oui, alors... comment tu es sûr que ça va bien l'aller vu qu'elle n'est pas ici à Abuja pour essayer? Oh bien, je vais juste lui envoyer. Merci, tu en as déjà beaucoup fait. Au cas où il aura des problèmes avec ses tenues, elle pourra trouver un tailleur dans les alentours pour les retoucher pour elle. Ok, attends. Je crois que quelqu'un me doit encore un dîner. Sûr. D'accord. Pouvons-nous y aller? Cynthia. Je sors et je ne pourrai pas revenir. Rassure-toi de bien fermer, d'accord? Quand tu quittes, d'accord? Bien, à nous revoir demain. Au revoir. Qui elle pensait être? Qui vient te dire tout ça? Toi aussi, c'était juste une blague. Elle n'était même pas du tout sérieuse. Oh, parce qu'il n'est pas des genres opposés, c'est ça? Alors, explique-moi sa réaction. Je vais lui envoyer un coup de poing. Oh, oui. Alors, tu es un gars jaloux. Non, pas vraiment. Ce n'est pas comme si j'étais jaloux. Je ne veux pas partager ma femme avec qui que ce soit. Oh, n'est-ce pas? Tu ne veux pas partager ta femme avec un autre. Ça, c'est d'être honnête. Donc, tu peux être si jaloux à ce point-là? Hey, Nora. Je suis très content de te voir. Comment vas-tu? Non, ne me touche pas. Où est ce gars? Où est Tayo, non? Hey. Où étais-tu allé? Où est-ce que je suis allé? Je pensais t'avoir dit que j'allais utiliser les toilettes. Tu ne m'as pas entendu? Tu ne m'as pas dit. C'est vrai, je l'ai fait. C'est peut-être à cause du téléphone. Tu t'es distraite. Voilà pourquoi. S'il te plaît, nous pouvons y aller. Mais tu ne m'as J'oublie pas dit. J'oublie vite quand Faut même. Faut pas mentir. Merci pour le dîner. C'est à ça que sert l'amitié. Vraiment? J'ai passé un bon moment. De même ici. Voudrais-tu me permettre de... Oui. Là. Alors, je dois juste D'accord. partir. Je t'appellerai demain. Sûr. Bien. Je t'aime. Pas de câlin? Oh, désolé. Hi. Bien. Bien. On à nous revoir demain. Demain. Bye. Vas-y, non. Ah oui, ne t'inquiète pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Thank you.
Hey. Yo. What up? Comment était ta journée? Pas mal. Et la tienne? Ah, vraiment fatigante. Mais je vais bien. D'accord. Alors, dis-moi. Dis-moi que tu as pu lui parler aujourd'hui. Je n'ai pas du tout été capable. Je suis actuellement passé par la boutique. Et quand je suis arrivé à la boutique, j'ai trouvé l'une de ses employées. Elle m'a dit que sa patronne était sortie. Et qu'elle reviendrait demain. Donc, demain, j'irai essayer. Ok. Disons que c'est un progrès. Bien sûr que c'est un progrès. Je suis quand même allé à la boutique. Laisse-moi me rafraîchir quand je suis fatigué. Un travail dehors. Mais Laura ne fait... Elle ne fait pas de travaux à l'extérieur. Serait-il... C'est comme... Il y a quelque chose qui cloche. Oui, quelque chose cloche dans cette affaire. Wow, je suis surpris de voir que tu sais embrasser autant que ça. Tu t'y connais bien en matière d'embrasser, je le reconnais. Où as-tu appris à aussi bien embrasser que cela? Honnêtement, tes baisers sont l'un des meilleurs. Nora, toi aussi, je ne te blague pas, je suis vraiment sérieux. Toi aussi, écoute. Tu préfères que je t'appelle de cette manière ou tu préfères que je t'appelle par ton nom? Parlant de cela, je ne connais pas ton nom en entier. Laure? Oui. Non. Hey. Toi, je pensais que tu t'es endormi. Pas encore. Je suis sorti chercher de l'eau. Ah, oh, ok. Bonne nuit. Je suis de retour. Non, ce n'était pas grand-chose. Alors, où est-ce que nous étions? C'est sûr qu'ils se sont parlé. Mais pourquoi veut-il tenir ça secret? Serait-il en train de... Non, il ne peut pas. Non. Allez, décroche. Hello, c'est comment? Oui. Écoute, j'ai besoin d'être quelque part à 6h30 demain. 6h du matin, pas du soir, oh. Seras-tu disponible? Oui, tu viendras me chercher à la maison, s'il te plaît. Oui. 6h30 du matin, pas du soir. Ah,
Bonjour. Bonjour, mec. Comment a été ta nuit? Très bien, je rends grâce. Formidable. Je m'en vais encore pour d'autres inspections. Attends, tu veux dire que depuis là, tu n'as pas encore fini avec tous ces travaux? Eh bien, j'ai pas encore. Prouvé. J'espère qu'aujourd'hui sera mon jour de chance. Je l'espère aussi. D'accord. Passe une bonne journée. Et aussi que tu auras le temps pour passer par là. Ah oui, certainement. Je vais essayer. Oui, essaie. Ok. D'accord, on se voit après. Tu ne sortiras pas du tout aujourd'hui? Oh non, non, non. Je compte rester à la maison. Hein? Ok, on se voit plus tard. Oui, passe une bonne journée. As-tu passé une bonne nuit? Ah, ok. Ah, oui, oui, oui. Petit déjeuner? Ça sera formidable. Où? Boutique ou chez toi? Ok, pas de soucis, je te rejoindrai. Ok, sans foutre. D'accord, d'accord. Que ce gars a osé me suivre en cachet. Je pense qu'il commence à soupçonner quelque chose. Non, non, non. Laura ne doit jamais savoir que je le connais, que nous sommes de la même famille. Sinon, cela risque vraiment de tout gâcher. Que fais-tu ici? En fait, je suis venu te parler. Dégage. Allez, s'il te plaît, ne fais pas ça. Au moins, écoute-moi d'abord. Tu sais quoi, je ne vais pas te mettre mal à l'aise devant mes employés. Alors, juste, pars. Allez. Ne me touche pas. D'accord? Juste, dégage d'ici. Mais écoute-moi d'abord. Je ne vais pas t'écouter, non? Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas par faut quitter? Ok, j'ai compris. Je peux voir que tu es en colère. Juste pars avant que j'appelle la sécurité sur toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Au moins, est-ce que je peux revenir? Non, ne reviens pas, je ne veux plus te voir. Ok, d'accord, c'est bon. Cynthia. Cynthia. Pourquoi tu as laissé entrer cet homme? L'homme qui vient de quitter. Tu as laissé mon bureau ouvert et tu es parti utiliser la douche et tu as laissé un homme entrer. Ne plus jamais laisser cet homme entrer ici encore. Je ne veux plus jamais le voir, d'accord? Et s'il te plaît, repars travailler. Connerie. Tyler. Qu'est-ce que tu fais ici? T'ai-je pas dit de ne plus venir ici et comment tu connais son nom? Mais c'est mon cousin. Hein? Ton quoi? Donc, c'est comme ça que tu es? C'est comme ça que tu es? Vas-y. Allez. Tu veux parler? Parle, je t'écoute. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je pensais que tu allais suivre notre plan. Hein? Attendez. Quel plan? Il n'y a pas de plan. De quel plan il parle? Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, attends. C'est une très longue histoire. Dis-moi que tu ne savais pas que j'étais son ex. Le problème ici est que... Bébé. Oui, il le sait très bien que tu es mon ex. Parce que c'est moi qui lui ai dit. Et bien sûr, nous avons même fait un pari. De quoi tu me parles-tu? Quel pari? Nous n'avons fait aucun Vous pari. Vous avez misé sur moi? Non, pas du tout. Il est en train de te mentir. Oui, nous avons fait par histoire. Bébé, s'il te plaît, prends le temps de m'écouter. Je veux que tu dégages de mon bureau. Bébé, s'il te plaît, je sais que c'est pas ça. Dégage de mon bureau. Tu as souhaité, elle a dit de partir. Sors de notre bureau. Sors de notre bureau. Sors. Allez, sors. Dégage de mon bureau. Oui, sors de notre bureau, c'est ça. Dehors. Allez, j'ai dit, dégagez de mon bureau. Pourquoi es-tu autant égoïste que cela? Pourquoi être autant égoïste? Écoute-moi très bien. Tu vas m'écouter quand je te parle, hein? Tu es tellement égoïste. Je voulais te dire tout, mais j'ai... Tu sais quoi? Je n'ai même plus envie d'en parler. Je suis en train de te parler. Non. Tu ne sais pas ce dont je suis en train de parler, non? On va en parler tout de suite. Laisse passer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler? Alors, on va en parler ici et tout de suite. Comment peux-tu faire quelque chose comme ça? Pourquoi pas? Je pensais que tu l'aimais. Tu as failli me piéger en me faisant croire que tu l'aimais sincèrement et réellement. Jusqu'à ce que je me rende compte que tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ne fais pas semblant comme si tu n'étais pas au courant. Je sais très bien que tu étais en train de planifier pour l'exploiter, l'extorquer. De quoi es-tu en train de parler? Ouais, salut mec. Quoi? Bianca est à Abuja. Elle seule ou bien avec les éléments de son père? Hey. Oh, pourquoi ces gens ne veulent pas me laisser vivre et qu'ils oublient juste cet argent, non? Oui, non. Qu'ils se fassent juste à l'idée qu'il n'y avait aucun moyen pour que je puisse l'épouser. Je l'ai juste demandé en mariage pour qu'elle continue de dépenser l'argent sur moi. Oui, mais malheureusement, elle a découvert le poteau rose et j'ai dû prendre ce que je pouvais et foutre le camp. C'est ce qui s'est passé. Oui, en fait, je suis en train de tout préparer. Oui, mes papiers du voyage sont aussi en cours. Oui, toi-même, tu sais que je dois voyager avec. Oui, l'argent. Ma fiancée m'a aidé avec 5 millions de naira. Normalement, ça devait être 7 millions, mais... Oui, ah, selon elle, j'allais utiliser cet argent pour... Je lui ai dit que j'ai une mère. Je suis très certain que actuellement, elle doit avoir le restant de l'argent. Oui, c'est sûr. Oui, non.
C'est juste que actuellement, il y a eu un petit problème entre nous. Mais mon cousin est en train de gérer ça actuellement, d'accord? Et je suis sûr que dès que ça sera fait, je vais prendre le reste de l'argent. Oui, mais qu'est-ce que Bianca est venue chercher à Abuja? On l'a informé. Oh, Cynthia. Oui, non. Je la connais, et mon ancienne voisine là, non? Celle-là ne ferme jamais sa bouche. Merci beaucoup pour cette information. Oui, dès que Nora aura envoyé le reste de l'argent, je vais juste disparaître. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, hein. Oui. Maintenant, je dois te laisser, d'accord? Tout ce à quoi tu pensais, c'est l'argent. Et moi qui pensais que tu l'aimais. Donc tu étais en train de tout planifier pour l'utiliser, la jeter. Et tu allais me laisser être responsable de tous ces dégâts. Parce que tu m'avais convaincu de lui parler pour que les choses s'arrangent entre vous deux. Elle est vraiment gentille et ne mérite pas le sort que tu lui réservais. Aucune femme ne mérite d'avoir un bœuf comme homme qui va l'utiliser à cause de son amour sans lui en donner un retour. Hey, salut mec. Quoi de neuf? Je vais bien. Et ta journée? Et notre affaire, tu as pu lui parler aujourd'hui? Je me suis rendu dans sa boutique, j'étais là-bas, mais... Et mon agent immobilier m'a appelé pour une inspection d'une des propriétés qu'on devait voir aujourd'hui. Je lui avais dit que j'allais revenir avant sa fermeture. Donc quand je suis arrivé là-bas, elle avait déjà fermé. Je vais peut-être réessayer encore demain, ça te va? Laisse-moi juste me rafraîchir. Je vais prendre les frais. D'accord. Oh, je vois. Donc tu étais là à m'écouter. Oui, j'ai tout entendu. Ne pense pas que j'allais m'asseoir, croiser mes bras et te regarder heurter une femme innocente. Donc quoi? Du coup, tu es devenu son héros? Je n'arrive vraiment à rien comprendre. Une bonne femme est vraiment difficile à trouver. Écoute, Laura était vraiment tout ce dont tu avais besoin. Hein?
mon frère. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné le privilège de pouvoir la rencontrer. Et crois-moi, je n'allais jamais rater cette opportunité de la connaître. Et je l'ai fait. Et toi, mon cousin, je pense que tu as été vraiment aveugle de ne pas voir le trésor qu'elle est vraiment. Tyler. Quoi? Tyler. Quoi? Je t'ai envoyé là-bas pour réparer la relation. Ma relation. Et tu n'es pas foutu de faire cette petite chose? Ou bien je ne suis plus ton frère? C'est les frères avant les putes! Ne l'appelle plus jamais de cette manière. Tu m'as donné un coup de poing. Tu m'as cogné à cause d'une femme. Wow, c'est incroyable. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui. Oui, je le suis. Et je ne te permettrai pas de la manquer de respect. Tu as un problème psychologique. Oui, tu as un problème psychologique. Sinon, tu aurais dû faire ce pourquoi je t'ai envoyé là-bas. Et non de tomber amoureux d'elle. Tu sais quoi? Tu as gagné. Hein? Sors de ma maison! Je m'en fous même si tu dors dans la rue. Sors d'ici! Malade! I've been hurt before, broke before. Don't you know? So many came and it broke me. Yes! All my heart, all my love, all I have. So many, my body was not enough. Allô, ma chérie. Oh non, ne t'inquiète pas, j'arrive vers toi. Oui, je viens avec quelque chose pour toi. J'arrive tout à l'heure. Pourquoi je ne fais que rencontrer ce genre de gars? Juste quand j'ai dit que j'ai déjà trouvé le meilleur. Mais comment pourrais-je savoir que c'était son cousin? Et ils ont tous les deux planifié de m'exploiter. Non, c'est faux. D'accord, tu n'as pas la vraie version. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que Kayode a dit à la boutique est faux. Oui, Tayo est vraiment innocent et quel que soit ce que Kayode t'a raconté, ce n'est pas vrai, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par l'opposé? Tu sais quoi? Regarde cette vidéo. J'ai tout entendu. Et je n'allais pas rester là à croiser les bras et te regarder heurter une femme innocente. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends jamais rien, mais une bonne femme est difficile à trouver. Elle était juste tout ce dont tu avais vraiment besoin. Mon frère. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné ce privilège de pouvoir la rencontrer. Et jamais je n'allais rater cette opportunité de pouvoir la rencontrer. Et je l'ai fait. Toi, mon cousin, a vraiment joué à l'idiot pour n'avoir pas vu le trésor qu'elle est vraiment. Laura, c'est Kayode qui voulait t'utiliser. Il a juste demandé à Tayo, son cousin, de l'aider à te récupérer. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il avait besoin de ton argent pour aller vivre à l'étranger. Attends. Il m'a dit qu'il voulait envoyer sa maman à l'étranger pour une opération. Laura, sa mère est morte depuis. Ah, il le voulait pour sa belle-mère. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, il a menti. Où est Tayo? Je l'ai suivi jusqu'à l'hôtel où il restait, mais je ne sais plus s'il y est toujours.
S'il te plaît, amène-moi là-bas. Oui, bien sûr. Oui, allons maintenant, s'il te plaît. Allô? Où es-tu exactement? Tu es censé être là il y a cela 10 minutes. S'il te plaît, si tu ne viens pas, fais-le-moi juste savoir. Laisse-moi savoir, comme ça je peux appeler un autre taxi. S'il te plaît, je suis en train de te dire que j'ai un endroit important à me rendre. Si tu ne viens pas, fais-le-moi juste savoir. Ah, ah. Salut. Tayo, elle m'a tout dit. Tout? Comment tout? Je n'arrive pas à comprendre. De quoi me parles-tu? Veux-tu m'expliquer? J'étais heureusement dans le même secteur que vous quand tu te disputais avec Kayode. Donc, j'ai tout enregistré et je lui ai fait regarder. Et elle sait tout maintenant. Je suis vraiment désolé, désolé. Merci, merci. Merci d'avoir été présente au bon endroit, au bon moment. Elle ne m'aurait jamais cru si je lui avais dit que tout ce que mon cousin racontait sur moi était des mensonges. Je sais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est juste que j'avais peur que tu ne me prennes autrement. J'avais si peur. Si tu savais que lui et moi étions cousins, vraiment, tu n'aurais plus voulu me revoir. Tu devrais juste tout me dire. Parce qu'un seul mensonge peut détruire tout. Non, je suis désolé. C'est juste que j'avais peur que... Tu le vois, lui et moi, comme des personnes avec le même comportement. Non, 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 non. Tu n'es pas comme lui, d'accord? Vraiment? Je suis profondément désolé. Cela veut dire que tu me pardonnes? Oui. Hey, les gars, doucement, ok? Oh mon Dieu! Félicitations! Papa, je l'ai trouvé. L'enquête était vraie. Oui, papa, je suis à l'heure actuelle devant son appartement à Abuja. Papa, pardon, appelle la police pour qu'ils viennent le chercher. Oui, papa. Ok. Don't you know, so many came and it broke me up. I give them all my heart, all my love, all I have. So many, my body was not enough. But I've been looking for you, waiting for you, praying for you, hoping that someone can mend my heart. But somehow you came along, shoot your shot and you won my heart. Finally I met my ride or die. I met my ride or die. But somehow you came along, shoot your shot and you won my heart. Finally I met my ride or die. My ride or die. My darling, my darling, my darling. Nobody else but my darling. My darling, my darling. Nobody else but my darling. My darling, my darling. Nobody else but you. You. Nobody else like my darling. My darling,
From the day we met, something clicked. I know you